Hey, salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit top 10 des jeux vidéo que je préfère. Alors ce top 10 est un top 10 personnel, donc ne vous étonnez pas si vous ne trouvez pas votre jeu favori dans ce top 10, votre FF, votre machin, votre bidule, votre chouette. C'est purement un top 10 personnel. Bon, alors à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, c'est un top 10 où ce sont des jeux que j'ai joués actuellement ou que j'ai joués auparavant. Et que j'ai soit dans ma collection que je n'ai plus depuis longtemps, que je n'ai pas eu, mais qu'on m'a prêté. Donc voilà. Alors aujourd'hui, dans ce petit top 10, parce qu'il y aura peut-être d'autres tops pour des futures vidéos. Donc dans ce top 10, je mettrai une photo au niveau de là ou là, on verra, là ou là, qui sait. Donc en 10e position, Call of Duty Black Ops. Donc le premier du nom, car c'est un Call of Duty qui m'a beaucoup plu à l'époque. J'ai beaucoup joué, donc j'ai beaucoup joué avec, j'ai passé beaucoup de temps sur PC surtout, parce que là-bas avant, pendant une grosse période, j'étais un gros PCiste, je jouais à des MMO, à Call of Duty Black Ops 2, MW3 sur PC, donc je les ai tous su. Et voilà, j'adorais ce Call of Duty en particulier. Donc c'est le seul Call of Duty que vous trouverez dans ce top 10 d'ailleurs. En 9e position, Crisis Core Final Fantasy VII. Déjà, c'est le premier FF que j'ai découvert, donc il n'y a pas très longtemps. En même temps, vu que c'est le premier jeu que je me suis acheté avec la PSP. Donc voilà. Ce jeu m'a énormément plu. C'est une bombe. Déjà niveau graphisme, rien que pour la PSP, c'est une bombe. Si vous ne l'avez toujours pas et si vous le trouvez à chaque fois, prenez-le, il vaut vraiment le coup. En 8e position, Super Smash Bros. Brawl. Déjà le melee, j'y ai joué une seule fois. Il m'en prend plus. Le Boss 64, soit je l'ai pas, je l'ai jamais découvert. Le Wii U, je l'ai pas encore et j'ai pas la Wii U de toute façon. Le 3DS, pareil, je l'ai pas. Mais le Brawl, c'est mon préféré déjà, tout simplement. Où je trouve vraiment intéressant pour un jeu de la Wii. Et pour moi, c'est un des meilleurs jeux de la Wii qui a eu actuellement. Même si beaucoup de monde ne sont pas d'accord avec nous. Enfin, avec moi surtout. En 7e position, Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament. Donc, ce Dragon Quest, c'est le premier que j'ai découvert également, comme pour FF. Mais c'est pas que ça, c'est vraiment. On reconnaît bien aussi la patte d'Akira Toriyama, parce que vous avez certains personnages, dont votre personnage, qu'on connaît dans divers, comme les Dragon Ball et compagnie. Et même votre personnage, vous pouvez lui mettre la carrure, la stature de Vegeta. Et ça, c'est vraiment intéressant pour moi, qui suis très grand fan de Vegeta. Oups, mince. Désolé les Sangoku, mais je m'en fous. Non, franchement, ce jeu est très bon, il a une très bonne histoire et il a une très bonne durée de jeu. Donc, dès que je l'aurai fini, vous en ferai une vidéo d'ailleurs. Enfin, de notation. En 6e position, Rainbow Six Vegas 2. Alors, ce jeu-là, je l'ai joué et terminé deux fois. Là, j'ai joué une troisième fois, mais avec un partenaire, donc en mode coop.
Bah, on n'y joue que quand il vient chez moi, donc là ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait ça. Mais ce jeu est vraiment intéressant car nous avons un mode coopératif, comme je viens de le dire, mais également un mode de gestion de l'équipe entière. Parce que si vous ne prenez pas les bonnes décisions, l'équipe ne fera pas ce que vous attendez. Ce qui est fort dommage. Mais donc, si l'équipe ne fait pas ce que vous attendez, c'est de votre faute. Et pas de la faute des bots. Donc, ce qui est pas mal du tout. Ensuite, bah, on voit qu'on peut personnaliser comme son personnage correctement. Pour ça, je vous renvoie peut-être à la vidéo de notation de jeux vidéo. Je sais plus numéro combien, je crois que c'était la première d'ailleurs. Sur Rainbow Six, parce que je l'ai déjà noté ce jeu. Donc voilà. En cinquième position, Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Je précise bien 1.5 HD Remix, pour pas confondre avec les formats PS2. Moi, c'est le format PS3 que je vous parle, et celui-ci est très, très, très bon. Il est super bien fait, il est super intéressant comme jeu. Je ne l'ai toujours pas fini. En même temps, c'est du RPG et en plus du Square Enix. Pour finir, faut s'accrocher. Déjà, j'ai même pas fini la première histoire parce qu'il y a trois histoires. C'est surtout ça le pire. Mais ce jeu est très très bon et très très dur et très très long. Donc, si vous n'êtes pas patient, vous allez avoir du mal. Donc voilà pourquoi il mérite amplement la cinquième position. Ensuite, en quatrième position, Pokémon version émeraude. Ça y est, on monte dans le haut niveau. Donc pourquoi Pokémon version émeraude? Bah, tout simplement, c'est la première version que j'ai découvert par moi-même. Parce que sinon, toutes les versions que j'avais, bah, c'était des versions qu'on m'avait montrées avant et après qu'on m'avait données. Mais la version Emerald, c'est une version que j'ai trouvée par terre dans la rue, ma première version Emerald. Une version que j'ai découverte dans la rue. Bon, bah, tant mieux. Je ne l'ai pas payée, donc ça m'a permis de découvrir Pokémon sans avoir à le payer. Et puis j'avais tout fini en plus, c'est ça qui m'énervait. Mais un certain ami, donc que vous connaissez tous maintenant, parce que je le cite assez souvent, m'a perdu ma version. Donc, pas très gentil. Aussi, je t'aime bien, Noctis. Donc, franchement, une très très bonne version et un très très bon jeu. Voilà. Numéro 3. Grand Theft Auto, donc GTA, lequel à votre avis? Le 5. Parce que c'est une des premières versions où vous pouvez alterner le choix du personnage entre trois complices, donc Michael, Trevor et Franklin. Il est très bon, mais il pourrait être amélioré, enfin il aurait pu être encore mieux. S'ils avaient mis un mode coop, donc un coopératif, dedans. C'est-à-dire, étant donné qu'on a quand même une possibilité de faire trois personnages, et qu'on a une possibilité de se balader avec eux, avec les trois en même temps, est-ce que pour vous, ça n'aurait pas intelligent de mettre un mode coop sur ce jeu-là? Sachant qu'on peut avoir trois personnages, donc jusqu'à trois amis chez soi qui jouent avec vous. Donc sur une même console, trois personnes, un qui maîtrise Trevor, un qui est avec Franklin et un qui est avec Michael. Ou que deux à la limite, mais ça aurait été intéressant. Ça aurait été bien. Mais ils l'ont pas fait. Dommage. C'est vraiment dommage. De pas avoir effectué ceci. Voilà. En
Deuxième position, ça y est, on est sur le podium en plus, c'est vrai, j'avais oublié de le dire, avec GTA on était sur le podium. Là on est vraiment sur le podium, top podium, en deuxième position, Dragon Ball Xenoverse. Je vais pas me cacher, je vous en ai fait longuement un petit teasing, c'est pour moi un de mes jeux PS3 et un de mes jeux tout court préférés. Enfin, un Dragon Ball où on peut créer son propre Saiyan. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup à avoir attendu ça. Y compris pour ceux qui voulaient créer leur propre Freezer, leur propre Piccolo, leur propre cyborg humain. Franchement, on était beaucoup à attendre ce jeu-là. Pour créer son personnage. Et en plus, on avait même eu un doute comme quoi il allait sortir sur la PS3 et la 3.6, parce que tellement qu'il était énorme à la base, il l'avait prévu que sur PS4 et Xbox One. Et heureusement que nous, les joueurs de PS3 et Xbox 360, parce que moi je suis dans les deux catégories, on s'est réveillé, on s'est mis debout, on a dit non, on veut aussi notre Dragon Ball Xenoverse, parce que sinon on n'aurait pas eu droit à ce jeu-là. Heureusement qu'on s'est mis debout et qu'on a élevé les points. Donc voilà. J'espère que ce jeu vous a plu, parce que moi il m'a énormément plu. C'est un des meilleurs Dragon Ball que j'ai pu jouer actuellement. Et enfin, en numéro 1, pas de surprise, ça fait pas mal de temps que je vous en parle maintenant, depuis que j'ai commencé les vidéos même. C'est le jeu que je n'ai pas et que j'aimerais bien posséder, s'il m'entend. Ça serait Pokémon XD. Donc voilà pourquoi il est en première position, parce que c'est le meilleur jeu que j'ai pu jouer actuellement, sachant que quand on y joue, quand on voit le Lugia version ténébreuse, il est magnifique. Tu me le donnes? Ouais, mais ce jeu-là, il est du tonnerre de Zeus. Je n'ai jamais joué à un jeu aussi bien de ma vie. Et si je le retrouve encore actuel, si je le trouve quelque part, je le prends. Je ne réfléchis pas, je le prends. Parce que c'est le meilleur jeu de la GameCube pour ma part. Donc voilà. J'espère que ce petit top 10 vous aura plu. Comme je ne l'ai pas dit en début de vidéo et j'ai pas envie de me faire taper en fin de vidéo, j'ai été en compagnie avec Salamèche et Judy. On vous remercie de nous avoir suivis durant cette petite vidéo. On vous dit à bientôt pour d'autres vidéos et ciao ciao!